Lugano. Donc on a plus de 5h30 de trajet. On va devoir faire en tout cas une charge, voire deux. On va essayer d'en faire une vers Brigue. Comme ça on pourra manger. Là, il fait 11 degrés. On est parti à 68% de Montreux. Et ben, on verra la suite. Vous verrez tout en image. Là on vient de passer le château de Chillon. Donc vous aurez dû voir ça en vidéo juste avant.
Alors là, on vient de monter un peu les vignes. J'étais à fond avec la Dacia appelée au plancher et on arrivait à peine à 20 km/h. J'étais pas sûr qu'on arriverait en haut. Par contre, la vue est vraiment sympa. Je vais me sortir. Alors là, on est bloqué pendant une heure à peu près parce qu'il y a Giro d'Italia, une course de vélo, et il n'y a qu'une seule route pour aller à Brigue. Et ils vont aussi au Tessin, ils passent par le Simplon, donc ça, c'était pas prévu. Donc on sait pas encore ce qu'on va faire. Je pense qu'on est à plus qu'à 20% de batterie, ça va être chaud d'aller à Brigue, mais on verra bien, c'est un peu le challenge.
On verra. Vous verrez par la suite. Alors on est arrivé à Brigg, au McDo, et on est chez GoFast. Je vais vite vous montrer les choses. Donc là, on est arrivé avec 33 km restants à 12% finalement. Donc vraiment, il est vraiment pessimiste à BRP. On a parcouru 377,8 km depuis hier du coup. Et on a 9,8 kWh de moyenne. Donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, là on est sur un GoFast de chez McDo et je vais me charger là. Voilà.
là on arrive à Ascona, on est à 62%. Et ben on va se parquer un petit truc de recharge là dans un parking payant. Le temps d'aller voir quelques points du Grand Tour of Grand Suisse là, dans un endroit un peu payant, un peu touristique. On est au bord du lac. Et là on voit qu'on est à 9,7 kWh au 100. On n'a pas roulé bien vite parce que le col était... les gens allaient pas vite, beaucoup de travaux, et on a fait 487,3 km depuis le début. Donc voilà, c'est top. Je vous ferai un débrief de la journée quand on arrivera à l'hôtel. Il y a des choses à dire. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Infesté de fourmis, mais sinon tout va bien. Donc il est 9h30. Dans les rushs, vous pourrez voir, il commence à faire nuit, qu'il pleut toujours. On a essayé de faire au mieux pour vous avoir quelques petites images. Le Tessin, c'est vraiment très vert. Première fois que je venais, c'est vraiment sympa.
Niveau petit feedback de la journée, donc on avait une partie de Montreux à 60 et quelques pourcents. Donc on est parti, on a réussi à recharger à Brigue. Après quelques petits soucis à cause de la course de vélo, donc on a attendu presque 1 heure. Bloqué, tout était bloqué. Ensuite, on a pu prendre la route. À Brigue, on a mangé, on a rechargé à 100%. On est parti par le col du Simplon. Là, eh ben, il y a eu pas mal de travaux et tout ça, donc on a roulé très lentement, ce qui a fait qu'on a eu une très bonne autonomie. On est arrivé à peu près 60%. 66 même je crois au bord du lac. Je sais plus exactement où on est arrivé. Là-bas on était dans un parking payant. On a rechargé en AC. On a rechargé jusqu'à 90%. On a mangé pendant ce temps. Et là on est arrivé à la maison. Et puis je vais vous montrer ça. On est à 61%. Il nous reste 151 km d'autonomie. On a parcouru 539,5 km. Ce qui fait que c'est quand même beaucoup moins cher que l'essence. Là, quand j'ai comparé, on est à peu près à 35 francs au niveau des recharges. Je me mettrai le total de toute façon à la fin du voyage pour les kilomètres faits et puis le prix que ça nous est revenu au niveau du trajet. Pour l'instant, c'est vraiment bien. Et on a 10,1 kW au 100 de moyenne. Ce qui est vraiment, vraiment économique. Du coup, toujours ce zoom. On vit presque dans la voiture, là on passe vraiment des journées, des longues journées. Il n'y a pas de souci, je suis étonné, elle est vraiment agréable. Qu'est-ce que j'ai à dire? On a eu un moment. On a eu un souci avec la pression des pneus. On a eu le témoin qui s'est allumé. Après, c'est revenu. On a roulé encore. C'était qu'on était arrêté pendant 1 heure. Là, à chaque fois, tout d'un coup, ça s'est affiché. On a roulé un peu et c'est parti. On a eu un peu de buée, mais ça va. Sinon, il n'y a rien à redire, quoi. C'est vraiment top. Les paysages sont vraiment beaux. J'espère vraiment qu'on ait plus de pluie. Ça sera des meilleures vues. Et puis voilà, on vous reprend demain. Du coup, prochaine vidéo. Et je vous souhaite tout de bon. À plus.